L'année scolaire ne fait que commencer, mais tes profs t'énervent déjà. Le plus grand rêve d'un élève, c'est de donner à ses profs tout un tas de mauvaises notes. Les filles se préparent pour le cours. Oh non, c'est tellement le bazar dans mon sac! Mes trombones, mes post-it, mes fournitures scolaires sont partout! T'inquiète pas, essaye donc ce bloc-notes avec des poches intéressantes. Prends un bloc-notes et des post-it colorés. Fais des enveloppes avec les post-it. Fixe-les avec du scotch décoratif. Les mini-enveloppes sont prêtes! Fixe-les sur la couverture du bloc-notes. Mets de jolies petites choses dans les poches. Des trombones, des post-it, et tout ce que tu veux en fait. C'est super utile, non? Tout ce dont tu as besoin sera désormais à portée de main. Ce bloc-notes coloré avec des poches, c'est l'amour de la première ligne. Prendre des notes, ça peut être une tâche délicate. Avec quoi surligner les éléments importants? À l'aide d'un marqueur fluo, bien sûr. Il y a un peu trop de couleurs au centimètre carré sur ce texte-là. On va essayer de résoudre ce problème. Prends un marqueur épais et un cutter. Découpe un triangle dans la mine. Imbibe la mine avec une couleur différente de marqueur. Surligne le texte avec le marqueur amélioré. Tu as deux couleurs en un seul geste! Tu peux maintenant voir tout de suite à quoi prêter attention, et le texte lui-même est toujours lisible. Trouver ces lignes colorées est plus agréable que de lire des notes ennuyeuses. Les filles sont tellement distraites! On se tait en classe! Mais les filles se sont pas vues de tout le week-end! Elles ont tellement de choses à se raconter! Mesdemoiselles, n'oubliez pas que vous êtes en classe! Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Une boîte de bonbons? Ça ne peut qu'égayer une triste journée d'école! Vide les bonbons. Tu peux les manger tout de suite. Prends des morceaux de papier magnétique. Imprime des feuilles avec des phrases que tu utilises pour parler à ta pote. Colle les papiers sur les aimants. Découpe les mots et mets-les dans la boîte. Qu'est-ce qu'on a fabriqué? Un messenger super moderne pour discuter en silence pendant les cours. Fais des phrases directement sur le couvercle de la boîte. Chut! Une boîte magique vaut 1000 mots! La prof est choquée! Elle ne se souvient pas d'avoir eu une classe aussi calme depuis le début de sa carrière. Pourquoi utiliser un simple cahier alors qu'on pourrait l'améliorer un peu? Tu vas avoir besoin de papier scrapbooking. Découpe une feuille aux dimensions du cahier. Découpe 5 feuilles avec des imprimés différents. Tu auras aussi besoin de trombones. Attache les trombones sur la spirale. Attache une feuille de papier scrapbooking. Divise le cahier en 5 parties et attache les séparateurs colorés. Écris les noms de tes matières. Maths, anglais, physique, géométrie. Arrête d'apporter une tonne de cahiers différents pour chaque matière à l'école. Utilise simplement un seul cahier pour toutes. Parfois, on ne veut tout simplement pas aller à l'école. Non, j'ai vraiment besoin d'un jour de congé. Comment tu peux sécher les cours et rester en vie? Il existe une astuce pour ça. Tu vas avoir besoin de rouge à lèvres et de fond de teint. Mais on va pas utiliser ce maquillage comme tu t'y attends. Maquille tes lèvres avec un fond de teint pâle. Et mets des touches de rouge à lèvres sur tes paupières inférieures et sur ton nez. Diffuse-le pour donner l'impression que ta peau est irritée. N'oublie pas de jouer le rôle et de tousser beaucoup. Waouh, t'es une actrice née! Maintenant, répète tout ça devant ta prof. Ouais, ça a marché! Bye bye tout le monde, je rentre à la maison! Attends, je dois aller en cours toute seule maintenant? Oh, rien que d'y penser, ça me rend malade! Peut-être que j'ai de la fièvre!
et cette idée concerne les marqueurs de tableau. Premièrement, tu auras besoin de ruban adhésif double face. Enroule du ruban adhésif autour d'un marqueur. Retire la couche protectrice. Ensuite, prends un morceau de velcro. Attache une partie du velcro sur les marqueurs. Et maintenant, attache simplement les marqueurs sur la deuxième partie du velcro. Tu les perdras plus jamais désormais. Attache le velcro au tableau et rappelle-toi une règle simple. Une fois que tu as surligné quelque chose, remets le marqueur à sa place. C'est élémentaire. Hé, pst! Ça te dirait d'ajouter un arc-en-ciel à ce cours ennuyeux? T'as envie de manger des bonbons, mais t'as peur que la prof les remarque? À quoi ce foulard élégant pourrait-il bien te servir, hein? Cache un paquet de Skittles dans ton foulard. Et personne ne remarquera rien. Et n'oublie pas d'en offrir à ta copine. Oh non, je crois que nos visages heureux nous ont trahis. La prof nous a pris la main dans le foulard. Mais après avoir goûté un bonbon, elle décide de nous voler tout le paquet. Et alors, les profs aussi sont des personnes. Peut-être que les bonbons adouciront sa personnalité. Prends un stylo pour la prochaine idée. Retire la cartouche. Coupe une partie du stylo. Coupe la cartouche et remets-la dans le stylo. Colle le bouchon. Fais un trou avec un poinçon. Passe un anneau en métal dedans. Attache tes clés dessus. Et t'as désormais un stylo sur ton porte-clés. T'as rien pour écrire? Je connais pas ce problème. Écris n'importe quoi et n'importe où. Et le prix pour l'étudiante la plus endormie va à ma voisine. Hé, arrête de dormir, la prof arrive. Le danger est parti. Tu peux utiliser ton coussin moelleux. Prends du rembourrage en coton ou en synthétique. Mets-en dans un sac Ziploc. Ferme-le. Place le sac dans une poche de ton sac à dos. Et pendant que tout le monde sort une feuille de papier, toi, tu peux sortir ton coussin moelleux pour l'école. Comment t'arrives à si bien dormir pendant le cours de maths? Sinus, cosinus? Oui, bien sûr que j'écoute. Pour l'idée suivante, tu vas avoir besoin d'une trousse en plastique et d'une plaque Lego comme celle-ci. Colle la plaque Lego sur le couvercle de la trousse. Prends maintenant des trombones et des petits Lego. Et mets-toi à créer! Accroche un trombone sur un rond. Colle-le. Clip les Lego sur la plaque. Et n'oublie pas d'ajouter un petit bonhomme Lego. Les fans de Lego vont tomber amoureux de cette superbe trousse. Et les trombones seront toujours à portée de main pendant les cours. Comment faire si tu dois couper un morceau de papier, mais que tu n'as pas de ciseaux? Utilise notre astuce. Prends deux règles. Mets-les en biais côte à côte et commence à couper le papier en les tenant avec ta main. Le bord est coupé soigneusement et est droit. Pourquoi même avoir besoin de ciseaux? Alors tu vas essayer cette technique? Encore un test? C'est impossible de tricher à cause du contrôle strict de notre prof. Ça sert à rien d'essayer. T'as tort. Tu sais juste pas bien cacher les antisèches. Ça date du siècle dernier d'utiliser ces manches longues. C'est dans les chaussures maintenant qu'on les cache. Retire le talon de ta chaussure et cache une antisèche dedans. Qui aurait cru qu'une chaussure pouvait contenir autant de connaissances? N'oublie pas que l'antisèche doit être aussi petite que possible. Comme ça, tu peux la cacher dans ta main au cas où quelqu'un arriverait. On dirait bien que quelqu'un va avoir un 20 sur 20. Et personne ne va se douter de rien. T'as aimé nos astuces pour l'école? Dis-nous dans tes commentaires quelle idée tu as trouvé les plus utiles. Lâche ton like, abonne-toi à notre chaîne et partage cette vidéo avec tes potes. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune des idées pour l'école de Troom Troom.